j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog du mois d'août. Il est 9h30. Moi, je suis prête. Je suis habillée, tout ça, puisque j'emmène les enfants dans un parc d'aventure où je les ai emmenés au début du mois, ou je sais plus quand, mais bref, dans le mois là. Et en fait, on retourne passer la matinée là-bas, parce que vraiment la fois dernière on avait adoré. Et en plus cette fois-ci il y aura mon neveu, donc j'espère que lui aussi va s'éclater puisque mes parents le gardent aujourd'hui. Enfin voilà, donc on se retrouve là-bas, sauf que là il est 9h30, on a rendez-vous dans 3 quarts d'heure au parc et mes enfants dorment encore. Je vous jure, je les couche pas à des minuit, 1h, c'est juste, je sais pas, c'est des gros dormeurs. Hier ils se sont couchés à 9h20, 9h30 je crois, comme on a fêté la nif d'Olivier un peu plus tard. Et voilà, donc je vais aller les réveiller, je vais faire d'abord couler mon café, parce que sachez que je ne bois pas mon café très très chaud, j'aime bien quand il est presque froid. Donc je vais le faire couler, ensuite je vais monter les réveiller, je vais les habiller, on va redescendre déjeuner, et à ce moment-là, je boirai mon café qui aura coulé depuis pas mal de minutes. voilà, bah écoutez, sinon bof dormi, vous noterez que j'ai dit bof dormi. J'ai pas super bien dormi, j'ai dormi pas super, il y a des fois ça me fait ça. Je pense que c'est dû à la CEP, on m'a déjà dit que ça faisait partie des symptômes de la CEP, des déboires de la CEP. En gros, j'ai mal à mon corps, et bah là, j'ai eu mal à mon corps toute la nuit, c'est-à-dire que le moindre mouvement c'était vraiment très douloureux et tout. Et ce qui fait que je n'ai pas super bien dormi, mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai plus tard. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit t-shirt, changement total de sujet, que je n'avais pas mis depuis très longtemps. Et alors, mes cheveux sont là. Voilà, c'est juste qu'ils étaient rentrés dans le t-shirt, mais j'aime bien parce que des fois, on dirait que j'ai un carré long. Et j'ai très envie de me faire un carré long, mais j'ai très envie de garder mes cheveux longs. Et Datou ne veut pas du tout que je coupe mes cheveux, donc voilà. Bon bref, on s'en fout, je commence à blablater pour rien. Lulu, tu vas avoir 4 heures de montage, ça suffit. Je vais réveiller mes minis, je vais les habiller, je vous reprends dès que possible. Mais ça va être... là, ça va être la course là. On a une demi-heure pour... let's go. Il y a quelque chose qui en a eu peur. Allez-y. Tu l'as fini, chaton! Bon, on est au parc d'Acrobranche. Les enfants s'éclatent. Léo est parti avec mon papa dans les trucs un peu plus grands. Et nous, avec ma mère, on est avec les deux petits en train de faire des mini parcours. C'est trop chou. Ils s'éclatent. Vraiment, c'est trop top. J'adore cet endroit. Et vraiment, c'est juste à côté de chez moi. Donc, pour le coup, voilà, c'est vraiment pratique. Et ce midi, Pépé m'a dit qu'il les emmenait au McDo. Voilà, ça sera petit plaisir de la fin des vacances. Mais trop cool, on s'éclate. Par contre, je cours après Oli, je vous raconte même pas. Autant mon neveu Ulysse, il y va la cool, autant cette demoiselle, c'est genre Speedy Gonzalez, quoi. Tout le monde me dit, mais c'est pas vrai, elle vient pas d'avoir 2 ans. Si. Mais je sais, elle court et tout, mais genre vraiment, elle est au taquet, elle fait trop rire. Et quand je vous dis qu'elle va vite, mais les parcours, genre, c'est de la gnognotte pour elle. Hop, là, elle passe au-dessus, elle passe en dessous. Elle me tue. C'est la première fois que je filme comme ça avec mon téléphone parce que j'ai pas pris ma caméra pour aller dans l'Acrobranche et tout. On est en route pour le McDo. Le McDo. Mes parents ont décidé de nous payer McDo ce midi avec les enfants. Comme ça, voilà, on leur fait leur petite journée plaisir et ensuite on rentrera faire la sieste à la maison. Donc bah voilà, petit McDo, histoire de dire de se remplir le bidou. Voilà. Oh, c'est pas bien, mais ça va être très bon. Hey, je vous retrouve à la maison. Il est 14h30 bientôt et je viens de m'affaler sur mon lit. J'ai terriblement envie de faire la sieste. Mais genre là, vraiment, j'ai trop envie. En fait, le pollen est de retour. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, c'est l'enfer. Donc j'ai les yeux qui ne font que de pleurer. J'ai le nez tout pris et en plus de ça, vu que j'ai pas super bien dormi et que ce matin la matinée n'a pas été de tout repos, je suis KO. Alors c'était une matinée super, on a passé un moment super, vraiment les enfants se sont éclatés, mais clairement de crapahuter avec eux dans les arbres, de les suivre, de tout ça, c'est pas de tout repos. Donc je me dis que je ferai bien 20 minutes, 20 minutes c'est pas mal, 20 minutes de sieste. Il y a quelque chose qui ronfle juste là à côté de moi. 20 minutes de sieste et après je me bouge. Allez, on va partir là-dessus. J'ai essayé de fermer les yeux 20 minutes
Et le plus dur, ça sera de me réveiller, je pense. Ça fait déjà 20 minutes. J'ai même pas réussi à dormir. J'allais m'endormir. Je vous montre pas, il est 52, 53 au moment où je vous montre. Je suis dégoûtée. J'allais vraiment m'endormir. J'ai sursauté avec le minuteur. Bon, c'est pas grave, ça m'aura permis de fermer les yeux 20 minutes. Sans dormir, mais... Bon, je me pose là, entourée de mes deux acolytes, là, Cachou et Soquette. Parce que hier, on a appris une triste nouvelle. Hier soir, un voisin est venu sonner à la maison. C'est le papa de copain que Léo a dans la rue. Et il est venu nous dire une triste nouvelle, ouais. Parce que croque-monsieur n'est plus croque-monsieur. En fait, il est venu sonner parce que notre voisine, la dame qui habite seule à côté de chez nous, l'a appelé dans la journée. Alors, je sais pas pourquoi elle est pas venue me voir. Moi, j'étais à la maison, mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Elle l'a appelé dans la journée puisque, en fait, entre notre haie et chez elle, il y a un petit grillage. Et croque-monsieur était allongé là. Il s'était éteint. Mais du côté de notre jardin, sans raison apparente. Pas d'étranglement puisqu'il était allongé en gros le long du grillage. Il n'avait pas de morsure, il n'avait pas de plaie ouverte ou quoi. Et en fait, la voisine a appelé ce pote là du bout de la rue pour lui demander de récupérer le chat. Comme je vous dis, le chat était chez nous, donc elle aurait pu venir me demander ou demander à David. Mais bon, c'est lui qui du coup a récupéré le chat et qui a sonné, il faisait déjà nuit, hein, tard le soir, pour venir nous demander si c'était pas notre chat. Gros coup de stress parce que cette demoiselle là, elle sort maintenant et elle venait d'entrer à la maison, donc on a soufflé, on a eu très peur, mais beaucoup de tristesse parce que déjà on l'a vu croque-monsieur comme ça et on n'a pas compris ce qui s'est passé, on sait pas trop, est-ce qu'il a été empoisonné, est-ce que... Franchement, c'est l'incompréhension totale. On n'a vraiment pas compris. Moi, ça m'a retourné le bide parce que ce petit chat, comme je vous le disais, il a attaqué ce qui était Cachou à travers les carreaux. Ou bon, voilà, il s'était déjà battu avec Cachou dans la cour, mais je lui donnais des croquettes. Je le voyais souvent, j'allais le voir et tout. Et il est plus là, quoi. Donc ça m'a retourné l'estomac. Bien évidemment, on l'a pas dit aux enfants. On a dit à Léo que, en fait... le papa de ses copains était venu pour nous prévenir qu'il avait récupéré un ballon dans le jardin. Et s'il vient à poser des questions ou à dire que croque-monsieur n'est pas venu depuis longtemps, on dira que peut-être qu'il a changé de maison et puis voilà. Mais ça nous a... Ouais, moi ça m'a, personnellement, ça m'a retourné l'estomac, ça m'a rendu très triste parce que vraiment, déjà, il n'y a pas d'explication. J'étais à la maison, le midi, presque toute l'après-midi, puisqu'on est parti à 16h avec les enfants hier, et je n'ai rien vu, il ne s'est rien passé. Cachou est sortie et elle ne m'a pas non plus... vous savez, les bêtes, parfois, ils essayent de vous montrer des choses, mais là, pas du tout. Il n'y avait pas de bruit, j'ai pas entendu de miaulement, j'ai pas compris. Alors, je me dis peut-être qu'il s'est fait renverser par une voiture et il a fini son chemin dans notre jardin. Je sais pas trop, mais... Ça m'a fait vraiment, vraiment mal au cœur. On va essayer de parler d'autre chose parce que franchement, c'est pas folichon. Je vais, maintenant que j'ai fait ma micro-sieste de 20 minutes où je n'ai pas dormi, mais j'ai fermé mes yeux, ça m'a fait du bien parce que vraiment, ils n'arrêtaient pas de couler. J'ai plusieurs choses à faire. Déjà, il faut que j'aille étendre une lessive. Clairement, j'ai la flemme, mais il faut que j'aille le faire. Ensuite, il faut que je... vous savez que je prépare les petits cadeaux des invités pour l'anniversaire d'Olivia que l'on fête donc samedi. Ça avait lieu hier, mais on le fête samedi en famille. J'ai à ranger ici ou là, j'ai du linge à plier, j'ai des petits trucs à faire et j'ai quelqu'un qui vient pour des travaux à la maison à 17h puisque la personne devait venir hier, mais finalement on avait changé le créneau, donc voilà, pas mal de petits trucs ici ou là à faire. J'ai les deux qui dorment, j'ai genre Cachou qui a affalé là et j'ai Soquette qui est là tout en rond. Comment voulez-vous que je trouve la motivation et que je ne dorme pas moi aussi? Oh, j'aime trop. Oh voilà, je m'étire. Oh, ça c'est Soquette. Oh, Soquette dans toute sa splendeur. Voilà, je les aime tellement, je vous jure. Oh là là, je me demande comment des gens peuvent réussir à leur faire du mal. C'est donc accompagné de ma petite dinde juste là que je pense que je vais faire les petits cadeaux des invités. Bon, si je me motive, je vous dis, mais... Oh, j'ai la flemme.
Bon, et bien finalement, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait la miniature de mon vlog qui sort ce soir et j'ai commencé le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. J'ai pas avancé et là j'ai mon mini Léo qui se réveille. Donc je pense qu'on va faire ensemble, je vais voir, je vais lui proposer si ça lui dit de faire avec moi les petits paquets pour les invités. Et puis on va voir, on va pas sortir spécialement puisque j'attends quelqu'un comme je vous ai dit à 17h. Mais on va voir, je vous tiens au courant du programme. Bon, on vient de finir avec Monsieur Lasticot. Les petits cadeaux pour les invités. Donc on a mis ça comme ça là-dedans puisque les petits trucs pour serrer en fait ça n'allait pas au niveau de la taille de pochette, donc du coup on a pris des petites gommettes. C'est Léo qui a choisi, il a mis des petites gommettes cœur à chaque fois là, voilà, pour fermer les petites pochettes et tout est prêt. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Au moins il y a le nom de chacun derrière parce que je vous avais dit j'en ai fait des différents pour les couples, donc trop cool. Bon les petits lus, je vous ai pas du tout repris de l'après-midi puisqu'en fait mon rendez-vous, eh bien mamie a lapin, voilà, donc on a joué dans la cour avec les enfants et tout et on n'est pas sorti attendant le rendez-vous mais qui finalement n'est jamais arrivé. Ce rendez-vous est donc décalé à demain, fin d'après-midi. Je croise les doigts pour que ce soit good et que la personne puisse passer. C'était pas de son fait hein, mais bon quand même, du coup on n'a pas bougé alors qu'on aurait pu aller se promener et tout, mais bon c'est pas grave, ils ont profité de l'extérieur. Et j'avoue que j'ai pas repris ma caméra. Donc voilà, là ce soir c'est soir de Koh-Lanta. Donc je vous laisse là parce que je vais aller me poser devant la télé avec mon nounou et on va regarder ça. Nounou pas entièrement, très clairement. Je vous laisse là, je vous dis à demain normalement pour une nouvelle vidéo et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.